Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Alors aujourd'hui je tenais à vous dire que je vais commencer une nouvelle série sur les ballons en forme. Donc je vous ferai des tutos sur plusieurs animaux, donc je commencerai par les figures les plus simples, c'est-à-dire le chien, la girafe et après on verra. Donc déjà aujourd'hui ça va être une partie où je vais vous donner quelques conseils pour gonfler vos ballons et tout. Et ensuite prochainement il y aura le tuto sur le chien et sur la girafe. Donc vous voyez ici j'ai fait un chien, par exemple. Donc ce que je vous conseille d'acheter comme ballon, c'est des ballons en latex, c'est des très bons ballons, soit dans un magasin spécialisé ou dans les, dans les magasins magiques, quoi, parce que quand vous achetez ça à un supermarché ou quoi, la qualité est pas terrible, vous avez une petite pompe pas terrible. Et moi comme pompe, j'utilise une pompe qui m'a coûté pas très cher, et en fait qui envoie de l'air dans les deux sens, donc vos ballons sont gonflés en trois mouvements, c'est-à-dire que quand je tire vers moi, ça envoie de l'air normal, mais aussi quand je pousse, donc ça envoie de l'air à chaque fois. Donc c'est une bonne pompe, comme ça en 3 secondes vous avez vos ballons gonflés. Et donc je vais commencer par vous dire, à chaque fois que vous gonflez un ballon, il faut bien tirer avant pour bien qu'il soit élastique, parce que sinon vous allez avoir du mal et tout ça à tourner et tout. Ensuite, deuxième conseil, n'hésitez pas à tourner, à faire des vous voyez comme ceci. N'ayez pas peur, si vous avez peur et que des fois ça fait des petits bruits et tout, n'ayez pas peur. Ensuite, ça dépend de la forme que vous voulez faire, mais vous voyez là, c'est un ballon que j'ai préparé pour le tuto chien. Donc vous voyez, il faut laisser à peu près ça. Mais si par exemple vous voulez faire une girafe, vous voyez, il va falloir faire la taille du cou, donc il faut laisser moins d'espace. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Bien sûr, pour le nœud, au départ c'était un peu compliqué, c'est petit, donc n'hésitez pas à mettre votre ballon bien sur la pompe, comme ça vous gardez un petit espace. Et donc voilà, c'est tout le conseil qu'il y a à savoir pour gonfler un ballon. Donc c'est mieux de le gonfler à la pompe parce que la bouche c'est dangereux s'il explose. Puis en plus c'est vraiment dur. Faut avoir la technique, bon, moi j'y arrive mais je le fais pas trop. Donc sur ce, je vous ai dit tous les conseils, donc je vous dis à la prochaine pour le premier tuto. Allez, salut à tous.